La loterie nationale, la loterie nationale du Niger a procédé ce samedi 3 septembre au cours d'une cérémonie au lancement officiel de la vente de la tranche Entente 2022, couplée à l'inauguration du centre de traitement Niamey 2000 qui se trouve dans l'arrondissement communal Niamey 4. Prenant la parole le premier, le directeur commercial de la Lonani, Alo Boubacar, a rappelé que la tranche commune Entente concerne 5 pays qui sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Togo et le Niger. Concernant la tranche Entente 2022, dont le tirage aura lieu le 14 octobre au Burkina Faso, alors Boubacar donne les explications suivantes. Trois programmes de lots sont offerts aux joueurs, à savoir le programme national harmonisé des lots en espèces, le programme national harmonisé des lots intermédiaires au tirage allant de 5 000 à 5 000 francs CFA et un programme extraordinaire régional de lots allant de 1 million à 10 millions de francs CFA. Le principe de jeu est le suivant. Gratter le masque au parc, découvrir trois montants identiques et gagner une fois ce montant. Ou découvrir trois fois le symbole avion et vous gagnez donc un voyage par avion pour participer au tirage extraordinaire qui aura lieu à Ouagadougou, au Burkina Faso, pour le tirage qui offre des lots de 1 million à 10 millions de francs CFA. Si le ticket est non gagnant, on ne le déchire pas, on le garde parce qu'il y a un autre tirage qui est prévu, qu'on appelle le tirage de lots intermédiaires. C'est comme des lots de consolation. Donc, une fois que le tirage est effectué, les lots varient de 5 000 à 5 000 francs CFA. Intervenant à son tour, le directeur général de la Lonani, Angou Abdel Karim, de renchérir sur le fait que le tirage de la tranche commune Entente se fait d'une façon tournante au niveau des loteries. Le Niger avait organisé la 26e édition en 2020 et cette année, c'est au Burkina Faso que se déroulera le prochain tirage. Par la suite, Angou Abdel Karim de dire ce qui a motivé la Lonani à inaugurer le centre de traitement Niamey 2000. En effet, la Loterie nationale, dans sa politique d'extension de réseau, a prévu au titre de cette année 2022 de créer 6 centres de traitement, dont 3 à Niamey, quartier aéroport, rive droite et Niamey 2000. Et 3 à l'intérieur du pays d'Akoro, Magaria et Madawa. L'objectif de cette extension de réseau est de permettre à la clientèle d'accéder facilement à nos produits et de toucher ses gains sans grande difficulté. La Loterie nationale du Niger ne ménagera aucun effort pour poursuivre sa politique de proximité au profit de son aimable clientèle que vous êtes. À son tour, Mme Fouta Mariama Tchemogo, maire de l'arrondissement communal numéro 4, d'exprimer sa satisfaction relativement à l'installation du centre de traitement Niamey 2000. L'inauguration et l'exploitation de cette nouvelle agence vont permettre de rapprocher la population de notre institution. Ceci est d'autant plus vérifié avec la création de deux centres, dont l'un à l'aéroport et l'autre à Niamey 2000. Enfin, avec le lancement de la tranche commune Entente, il ne reste plus pour la population que de se procurer les tickets à gratter de la Lonani qui offre la possibilité de gagner divers lots avec comme point culminant le grand tirage qui interviendra le 14 octobre prochain au Burkina Faso.